Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du droïde tech et c'est reparti pour l'épisode 10. Là, il nous reste plus qu'une seule truc à désactiver. Et puis Shardak, le toutou, il va se calmer. Du coup, je sais pas ce qu'il va faire. Voilà, j'étais passé devant. Pour une fois qu'il y a un truc facile, ça fait plaisir. Voilà, on monte tranquillement. Ah, il y en a deux de chaque côté. Mais là, j'ai un checkpoint. Alors, je vais prendre le checkpoint. Voilà. Et je vais aller voir par là. Voir un petit peu ce qu'il y a. Peut-être quelque chose à récupérer. Voilà, c'est un gros traquenard. Ah, il y a une corde. Une tarznag. Elle va faire tarznou. Il y a du texte, mais on peut pas lire. Putain, crotty. Ah. Je suis pas assez basculé. Hop. Ouais, c'est tout un art. Hein. Ah, c'est bon. Faut bien faire le balancier. Voilà. Mais quelle pierre magnifique! Mais son contenu. Et ça a passé. Waouh! Ah, ça c'est con par contre. Ah non, je récupère des pouvoirs. J'ai bien fait de passer par là. Ce sont les souvenirs du phare. J'attends le bruissement des feuilles. Je sens le souffle du vent. Je hume la terre humide. Quelle douce sensation de voyager libre. Je suis certaine que le phare aimerait beaucoup entendre ça. Bon, allez, en fait, on s'en fout de ça après. Il y a un truc là. Pourquoi il y a Y? Attends, je vois un truc Y là. Oh là 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 là. Cette écriture résonne en moi comme si j'avais déjà entrepris ce périple. Qu'est-ce qui est marqué? Ah. Vie, mort, vie, mort, vie. Ce lieu tue les âmes, les vies viennent ici mourir, c'est l'usine de l'existence. Mourir, renaître, après avoir été. L'œil implacable observe, nul ne lui échappera, ainsi nous l'enseigne la peur. Les âmes se fanent et meurent sous le rayon de son froid regard. Pourtant, la liberté existe dans l'esprit du combat. La peur malmène le courage, mais le courage affronte la peur. Triomphe d'elle pour accéder à la lumière. Magnifique texte. Ah là 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 là. Ah, j'ai pas envie de redescendre. Peut-être que je vais redescendre après, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Oula. Ah, le gros toutou s'est calmé. Ah non, il s'est pas calmé du tout. Mais je l'ai affaibli déjà deux fois. Donc, à voir. Mais non, mais je peux pas me cacher là. Mais non, il abuse. Ah bah, il y a un checkpoint. Impeccable. Heureusement. Ah non, ouais, il a tout pété là. Ok. Ah, c'est celui qui va aller le plus vite ou je sais pas. Ah ouais, ah ouais, c'est chaud là. Faut bien tout calculer quoi. Ouais, c'est un jeu de rapidité là. Du coup, je sais même pas où il faut aller. Archi drôle. D'accord. Ah zut. Si je me dépêche pas, il va me niquer. Ah bah j'ai perdu là. Ah j'ai mal calculé. J'en étais sûr. C'est reparti pour un parcours millimétré et chronométré. Millimétré et chronométré au poil de cul. Un petit peu de challenge, ça fait plaisir. Hop. Ok, elle bouge un peu de popotin, Ina, là, ça serait bien. 2 heures pour monter un truc. C'est abusé!
Ah ouais, il est déjà chaud lui. Il a même pas encore fait le truc, il m'a déjà pompé. Hop. Ça c'est bon. Là on le grandit. Je pense que lui, je l'ai mal mis dès le début. Hein. Je vais essayer de le mettre par là. Après, il faudra que je le repousse un petit peu. Pour le mettre là-haut. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était ça. Voilà. Il suffisait de réfléchir avec sa tête. Ça prend 2 minutes. L'autre, il le sait que je vais le marave. Donc là, on s'isole un petit peu. J'espère que j'ai trouvé le... Ah non. Une sorte de sauvegarde, là. Super, un checkpoint, ça fait plaisir. Ah, une dernière ligne droite. Oh, il est chaud, là. Ah, il va venir me défoncer. C'est obligé. C'est pour ça qu'il y avait un checkpoint. Je sais pas du tout me cacher. Hop. Et c'est fait. Au poil de cul. Tout est millimétré, tout est chronométré. Chardak, on l'a niqué. Ça fait plaisir. Enfin. Une chose de faite. Du coup, il va falloir sauter par le trou. N'en reviens pas, le monstre a disparu. Je suis soulagé et triste à la fois. Jamais je n'aurais jamais cru que mon périple aurait un tel prix pour tant d'autres. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant, il est temps d'y aller. Putain, c'était chaud, il a failli m'éclater le mec. Chardak. Et là, je meurs comme une grosse merde. Ah. Non, je pense pas, non. Et un petit point de save qui fait plaisir. Allez, on se fait le dialogue et on va arrêter là. Tu as réussi, tu as vaincu la vigie. Oui, mais ce n'est pas tout. Ah bon? J'ai trouvé une pierre pleine de souvenirs d'une époque et d'un lieu lointain, d'espoir, de joie et de liberté. La liberté d'aller à son gré, la liberté d'aller à son gré, l'époque où je sillonnais la contrée sans personne pour m'arrêter, ni pour me juger. Et j'ai entendu quelqu'un murmurer mon nom, Farid. Je ne sais pas quoi dire. Je suis heureuse d'avoir pu t'en faire profiter avant mon départ. Alors plus rien ne t'empêche de partir à présent. Comment tu te sens? Je suis très heureuse. Je ne vais pas te dire que c'est un rêve qui se réalise parce que j'en ai plus qu'assez de rêver. Il est temps de me réveiller. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Magnifique. On va se réveiller. Waouh. Avec une belle cinématique. Maintenir le déplacement auto. D'accord. Ah ouais. Là je suis dans le rêve. Pour me réveiller. C'est paradoxal. Le cœur qui rêve, le cœur qui ose, le cœur qui s'enfuit. Et je peux même pas sauter, je peux rien faire là. Aucune créature ne peut vivre sans son cœur. Tu ne savais pas? Pardon, je suis sincèrement désolé. J'adore le piano derrière. Il n'y a... Oh, il n'y a rien pour toi là-bas. Pas d'espoir, pas de foyer, pas de papa. C'est triste tout ça. Je sais. Je l'ai su dès que je me suis réveillé. Tu aurais pu rêver de n'importe quoi, mais il a fallu que ce soit de ma mort. C'est japonisant derrière. Non, ce n'est pas de ça que j'ai rêvé. J'étais une tempête qui s'abattait sur la terre de toutes ses forces. Et puis... J'ai vu quelque chose au loin, des taches de couleur dans la grisaille. Oh.
Je suis là, ai-je crié, mais ma voix me faisait que les blesser. Il a fallu que j'apprenne à murmurer, que je découvre comment caresser. J'ai envoyé une bourrasque chargée de mes suppliques et attiré à moi les couleurs. J'aurais pu maîtriser l'averse, régner sur le grand vent. Mais tout ce que je voulais, c'était lever ma tempête et prendre mon essor incarné dans cette peinture. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais le seul sujet de mon rêve, c'était la liberté. Ça ne te suffisait pas de rêver? Waouh. On arrive au bout? Calme. Tu sais, pendant très longtemps, tu m'as terrorisé. Je te craignais et je te détestais. Dans un sens, c'est toujours le cas, mais je suis prête à laisser tout ça derrière moi. Alors, pour ce que ça vaut, j'espère qu'un jour tu trouveras ce que tu cherches. Est-ce ton cas ? Moi, je vais commencer à chercher. Magnifique dessin. Bon, et ben on a terminé Aspirine Astel sur la Gata TV, ça fait plaisir. Je vous laisse l'outro, tranquillement. Je savais même pas qu'on était à la fin du jeu. Du coup, on l'a claqué en 10 épisodes. J'ai agréablement pris mon pied sur ce jeu. C'était super sympa, graphiquement, au niveau gameplay, même si c'est pas révolutionnaire, techniquement. Un jeu indie comme ça, ça fait plaisir de l'avoir. C'est doux. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi vos commentaires. Du coup, une playlist est créée pour Aspirin Astales. Du coup, je profite aussi hein, pour accroître un artwork et tout. C'est super joli. Du coup, on retrouve les personnages qu'on a vus hein, tout à l'heure. Il y a juste Shardak qu'on voit pas là, mais sinon on retrouve tous les personnages. Donc, je sais pas si j'ai passé 4 heures sur le jeu, mais en tout cas, j'ai pris du plaisir et c'est le principal. Personnellement, je vous le conseille, prenez-le. C'est pas une sponsor, rien du tout. On a de la chance d'avoir des jeux comme ça sur Switch. Des jeux indie qui remontent un peu le game. On peut pas comparer ça hein, évidemment aux jeux type Zelda, Mario et tout ça, hein, les AAA. Mais les petits développeurs d'aujourd'hui seront les grands développeurs de demain et ça il faut pas l'oublier. Le jeu est ouvert vraiment à tout le monde. Donc voilà, il y a des petites énigmes mais il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le faire tranquillement avec votre enfant ou vos enfants, ou carrément le laisser à vos enfants, et voilà quoi, il va s'amuser avec. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière ce projet. Page des remerciements. On n'en termine pas souvent des jeux sur la Gata TV. C'est pas le but de la Gata TV, hein. Le but de la Gata TV, on geek avec les abonnés, ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est la présentation de jeu. Du coup,
Vous êtes moi et moi je suis vous, voilà, de simples gamers. Et on lance les premières parties, les premières minutes d'un jeu et voir si on est attiré. Et moi, sur Aspirin à Sales, bah, j'ai directement kiffé, quoi. Et ça, je vous l'avais dit dès le premier épisode. Merci d'avoir joué, bah, merci à vous. On espère en retrouver le studio prochainement. Donc voilà, c'était l'épisode 10 de Aspirin à Sales sur la Gata TV, suite et fin de ce merveilleux jeu. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Profitez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes, la playlist est disponible. Donc n'hésitez pas. Hein. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Je leur ferai peut-être sur Twitch. Je sais pas. À voir. Et on se retrouve à l'écran titre. Voilà pour recommencer une partie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.